À force sourire, moi je viens de sourire au chéri. Qui t'aime rire? La sourire, qui t'aime rire sourire, qui t'aime rire sourire. Merci en pile. C'est pour aimer ça que invité nous. Stanley Bastien écrit l'Impliméyank. Madame, Monsieur, merci pour fidélité à Kubrick, à la page de l'émission Écho des Arts. Nous allons découvrir chaque grand chapitre, chaque grand poème dans le livre ça. Mais avant de regarder le livre là en entier, je vous invite à découvrir au théâtre avec Stéphane Dapoulard. Stanley Bastien fait Port-au-Prince, Haïti. Lycée normalien supérieur, département lettres modernes. Avocat dans le barreau Port-au-Prince. Lycée poète, comédien dans la compagnie théâtre Zo Flambeau depuis l'année 2006. Les publié déjà Rôle Parole, La Personne et puis Rôle Parole, L'Ossier dit fait et puis Amour entre parenthèses. Pratique bataille li gagnen pour défendre sa pi faible yo montrer ak lè qualité engagement li pote nan poésie ak pièce théâtre li joué yo. Militant nan zafè droit moun depuis quelques années, Stanley Bastien pa jamais négligé yon jour marié droit ak literati nan sa liye comme moun. Stanley Bastien, son plaisir. On coquin chaîne plaisir pour moi que yo frère sur plateau à la page l'émission Écho des Arts, comment ça y est? Bonsoir Jeff, bonsoir tous les amis littératie et poésie. C'est un plaisir pour nous également pour nous sur plateau Écho des Arts à la page pour nous parler de Impliméyank, pour nous parler poésie. Nous allons parler poésie, nous prenons toquer l'idée, partager la parole et sous ça qui vient pour avec Impliméyank, aucune chaîne livre poésie ça que vous proposez nous. Stanley Bastien choisi fait poésie, choisi écrit, c'est pas premier livre qu'on écrit. Pour qui ça ou écrit dans une société côté nos grands pile troubles dans le pays d'Haïti? Passé écrit à son acte de résistance et écrit à tout son acte pour dire exister. Écrit dans un pays comme Haïti, passé Haïti besoin ça, société a besoin ça. Et m'pas premier monde qui a écrit, et puis nous grandis, nous levés dans l'école, nous jeunes monde a écrit. Mais c'est une forme d'implication, c'est une forme d'engagement pour dire exister dans la société que tu vas vivre là. Bah, c'est avec écrit qu'on pile travail qui a fait ou qu'a transformé la société que tu vas vivre là, ou qu'a transformé l'environnement que tu vas vivre là, et ou connecté avec monde qui besoin d'entendre l'autre parole, ou connecté avec monde qui besoin et gagner un nouveau souffle à caillou. Moi, je pense que la littérature c'est une rôle qui gagne tout, c'est porter et dans l'imaginaire lecteur, dans l'imaginaire ça monde qui lit, ça monde qui penser création lui-même l'hypothèse ça la caïmon yo parce que écrire c'est important dans toute société. Dans toute société, j'en vous dis écrit c'est un coquin chaîne un takadi élément qui contribue avec développement l'esprit. Ici en Haïti, nous remarquons que mon yo pas trop intéressé aux choses de l'esprit. Un écrivain qui fait face avec réalité ça que j'en ca décrit nous les. Bon, faut nous constater, nous vivons dans un pays côté c'est bien le nivellement par le bas, grand pile effritement de valeur. Lors nos sociétés, question monde qui a l'école, question monde qui a fait effort, question monde qui n'a pas connaît qui travaille pour transformation société, c'est pas eux même qui au premier plan. Là, on a toujours un résultat ça yo. C'est par rapport qu'on a, on a regardé quel type de société on gagne et puis regarde qui citoyen la produit. Alors, un monde qui choisit de prendre route, ça, chimère, pour écrire, pour publier, parce que ce monde, il fait un peu de sacrifice sur la tête, son monde qui a fait résistance et qui accepte de sacrifier la tête pour bien-être de la société. Où écrit l'Impliméyank, où écrit l'amour, où écrit sous l'espoir, où écrit de poèmes, tout, nous avons dit, la poésie, nous avons dit touche politique. L'environnement, tant qu'au pays d'Haïti, côté nous gagnons toutes difficultés, qui rôle un écrivain t'as dû gagner tant qu'au même Stanley Bastien. Bon, moi-même passé créateur là pour me dire écrivain, créateur là qui a fait art en Haïti, il gagne des choix, il gagne des séries orientations, il va être tenu comme créateur. On pourrait que des cérémonies qui a écrit, les choisit écrit pour le faire là pour là. Il était dans cadre création, il était dans cadre question esthéticité, c'est esthétique l'a fait. Mais il y a l'autre tout qui décide d'engager son forme ou soit son autre, pas seulement la littérature,
la question musique, la question peinture, une forme d'engagement que le créateur là doit choisir gagner à travers œuvre. Alors écrire en Haïti, dans un pays pareil, dans une société pareille, j'aime te dire tout à l'heure, c'est un sacrifice et sacrifice la société ça a toujours besoin. Parce que nous pas qu'à quitter société après les jeunes après les parce que qui ça faut créer des séries modèles, faut créer l'autre horizon pour jeunes. Parce que pas oublier leur écrit ou pour aller mais soit écrit après t'es parce que nous avons besoin ça dans l'archive, nous avons besoin ça dans la bibliothèque, nous pays des générations a besoin ça. Moi je pense que c'est une contribution qu'a porté pour société à se participer pour enrichir Panthéon, enrichir bibliothèque ou soit archive pays à travers des actes comme l'écriture. C'est pas le premier livre Stanley Bastien écrit. Ou écrit plusieurs autres. Tant que moi, je garde ça rapide vite avec téléspectateurs. Et Jean-Stéphane Dassault présente, ou écrit rôle parole, ou écrit la personne et puis rôle parole. C'est deux textes que vous proposez nous déjà, que lecteur ou fait face avec livre Stanley Bastien écrit. Qui différence qui gagne entre l'autre livre que vous proposez avec Plumé Yank? Bon, moi, je pense que c'est un point de connexion à toute œuvre. Parce que Stanley Bastien a écrit, il y a trois thématiques, trois axes qui construisent l'écriture, Stanley, alors l'écriture poétique Stanley Bastien. La mort, la vie, l'amour. Toute œuvre est traversée par trois thèmes. Ça, oui, mais Plumé Yank a les mêmes spécialités, alors spécificité. Spécificité, c'est dans le sens que c'est un projet qui doublement construit avec un autre créateur qui c'est Thébaud David. C'est un mélange poésie avec dessin. On a dessin, on a poésie. On a fait travail illustré, l'autre là fait travail pour tes paroles là. C'est tantôt on a dessin, tantôt on a poésie. C'est une dans l'autre, c'est une après l'autre. Effectivement. Et au cas garder ça, poésie plimé en clan, lui-même il a une particularité dans le sens que matériaux nous choisit construit projet ça qui c'est plime main lanc. Associé avec le projet de Thébaud David là qui s'est plumé, nous ouais, la intéressant pour nous associer deux projets ça pour nous porter produit ça pour nous porter œuvre ça par grand public là qui s'est plumé. Comme senti la peinture qui proposait à l'intérieur de Plumé Yank, c'est une peinture abstrait. Me senti ça. Donc pour qu'il choix ça de mélanger poésie avec un type de peinture abstrait. Alors, il y a un travail que nous faisons dans Plumé Yank, c'est plusieurs espaces que nous créons. Espace pour lecteur là, espace pour critique, espace pour même monde qui produit texte là. C'est-à-dire, mariage, poésie avec dessin, Thébaud David comme dessinateur, il a un libre choix pour inventer tête, ou réinventer tête dans Plumé Yank. Et Plumé Yank, tout à travers Zev Thébaud David, c'est le même travail qu'il fait. D'accord? C'est-à-dire, je ne vais pas avoir un discours sous dessin Thébaud David, je ne vais pas sacrifier ça rien comme projet, mais nous-mêmes, en dans Plumé Yank, c'est l'association Sanitaire DFS, c'est mariage ça nous fait, qui peut être ça pour nous, qui c'est Plumé Yank. Donc, associer dessin, associer la peinture avec la poésie, c'est une conjugaison parfaite, Ndaka dit. Mais au-delà de ça, dans Plumé Yank, moi, j'ai remarqué que pendant que vous parlez de l'amour, pendant que on fait poésie à marcher, on fait moyo yon contre à clotte, eh bien, social à parler, politique à parler, position à prendre dans la poésie. Expliquez-nous, choix ça. Bon. C'est un choix osé, vous avez dit, pour les terres à appeler, vous menez de l'autre côté. Œuvre moi, dans le poème moi, il est difficile pour me faire décantation entre Stanley Bastien et le poète là. C'est vrai, décantation est toujours faite. Mais nous-mêmes, dans ça, nous sommes comme monde, dans ça, nous cultivons comme valeur, par rapport avec l'ancrage idéologique, nous, par rapport avec des positions politiques nous gagnons. Nous disons que c'est toujours intéressant pour nous marier bagaille ça avec l'écriture, pour nous marier bagaille ça avec la poésie. Parce que ce qui s'est passé, les gens dans l'œuvre Stanley Bastien, la plus poème moi, nous créons espace, non seulement pour nous connecter à monde à travers œuvre, à travers poésie en soi, mais c'est nous profiter de poésie, nous prendre poésie comme prétexte pour nous parler l'autre parole. Parole politique, là, je vous dis, parole économie, parole sociale. Là. Parce que ce qui s'est passé, poésie Stanley Bastien, son poésie, quelque part, revendicative, son poésie rebelle, son poésie qui a dénoncé, son poésie qui a gommé tout, qui est toujours en lutte. C'est-à-dire, c'est vrai, poète, là, écrivain, créateur, là, il n'est pas obligé d'engager sous forme ça,
c'est pas un impératif, mais nous-mêmes nous gain choix, nous gain orientation nous dans ça n'a fait comme art, c'est-à-dire nous engager nous doublement, nous engager nous pour écrire, pour exister dans espace là, mais nous engager nous tout pour nous porter parole. Mm-hmm. Parole pour les sans voix, parole pour les plus faibles, parole pour monde qui pas capable parler, parole qui pour monde qui manque autorité yo, et son parole qui pour transformer société à quelque part. Nous lis la vie dans le livre tête en bas. N'a pas écrit l'espoir à doit nous plein sang. Ici la vie avec l'espoir pas monter même choix, et pas le même côté. C'est choix ça que vous faites dans la poésie ça. Mais parlez de mais nous plein sang. Parlez de la vie avec l'espoir pas monter même choix dans la société haïtienne. Qui ça poète là besoin d'écrire simple lecteur qu'a lu. Alors nous pas gain prétention expliquer chaque poème pour lecteur. Mm-hmm. C'est une richesse littérature la portée. Mm-hmm. C'est écrivain, un poète, la dramaturge, les films produits, les films publiés, etc. Li rend, li bay lecteur en possibilité pour créer propre espace pâle, pour poète la, pour lecteur la exister en dans œuvre là tout. Mais ça pas m'empêcher nous faire quelques considérations. Parce que j'aime ça dire tout à l'heure, poésie c'est un prétexte pour me parler parole, une parole qui a transformé monde, une parole qui a transformé environnement. Et parole ça. Je pense que c'est quotidien nous lié. Mm-hmm. Parce qu'on regarde dans quelle société nous vivons, regarde les conditions pour nous vivre, regarde les questions d'insécurité, regarde comment les Haïtiens vivent avec les Haïtiens. Parce que son pays, et comme si nous avons un espace, nous ne pouvons pas vivre encore, nous survivre. Nous avons un espace, c'est quotidien nous gérer. Mm-hmm. C'est au jour le jour qui intéresse nous. Nous venons déshumaniser tout. Ça nous déclare nous démoniser. Jean les camarades là te ka dit parce que question monité elle est presque finie la caillou pour qui ça c'est condition à vivre et ces conditions ça toucher tout le monde et pas peut-être faire poésie pour dire ça ou pas intéressant et pas peut-être faire théâtre pour dire ça ou pas intéressant au contraire moi penser c'est un prétexte c'est un prétexte qu'à utiliser pour parler parole ça si tu as choisi un texte en d'un premier pour te pour lecture pour nous qui est ta pied. Bon, je pense que nous attachés à tout texte et nous avons un travail nous fait parce que nous ne voulons pas orienter les lecteurs. Tout, voilà. Parce que non, tout comme l'album musique, il y a plusieurs morceaux. Et il y a un auditeur là, ou du moins, mélomane qui a aimé plus qu'on l'autre. De même pour livre tout, pour poésie, lecteur lui-même qui a associé à un poème qu'on l'autre. Je ne voulais pas faire choix pour lecteur. Ça veut dire que Stanley Bastien n'a pas un choix d'un texte en d'un premier yank. Même temps, mais quand même, au point de lecture, dont partie la première yank. Sans problème. Sans problème. Glogez-nous, inondez bord de mer, nous crier sang, nous crier matière. L'arc-en-ciel perdit couleur depuis 4 heures derrière tête monde. Priez malheureux, pas gain amen. Je vous salue, je crois en Dieu, la vie nous pralie, tipa, tipa. Seigneur Bastien, moi, mais style d'écriture, incompréhensible, ou mener le lecteur, l'absuivre. C'est un coup, nous sommes là, nous avons écrit poésie, nous avons écrit poème, parce que nous permettons de vivre, en plus, ou accompagner le dessin. Maintenant, écrire un livre, tant que premier yank, écrit plusieurs autres encore, son choix fait pour contribuer l'enfer littérature à marcher, aller plus loin. Lorsque regardez la littérature ici en Haïti, façon que nous traitons œuvre artistique, façon que nous traitons livre, façon que nous lisons livre, façon que nous utilisons la langue créole, c'est qui lecture fait? Bon, je pense que question lecture, question livre, il y a avant tout question d'éducation. Parce que ce qui s'est passé, il y a l'amour pour le livre, il y a une culture pour la lecture, c'est tout un apprentissage. Ça s'apprend au jour le jour. Et pourquoi pas pour nous être capable de dire, c'est un mode de vie, pour le supposer. Parce que faut qu'on fasse confiance ça. Moi, j'ai commencé à lire à l'âge de, disons, 18 ans, même dans philo. C'est-à-dire, éducation, ça, je suis levé, je ne suis pas en bon moment. Oui, j'étais à l'école, j'ai travaillé en mathématiques, physique, chimie. Mais la question pratique de lecture, c'est tout ton éducation, c'est tout ton accompagnement. C'est-à-dire, les nous tombés là,
pense que c'est un gros travail que vous faites dans la société, dans l'école, dans l'université, pourquoi pas dans l'église, dans la famille. C'est-à-dire pour essayer de faire les gens lire plus que possible. Encourager au lire plus que possible. Parce que ça, son mode de vie, son pratique, on doit gagner au quotidien. Et ça peut aider les gens dans la jeunesse, ça peut aider les gens en tant que monde. Parce que les gens qui ont besoin de manger, ils besoin de boire, parce que l'esprit a besoin de nourrir tout à travers la lecture. Qui côté les gens ont besoin de Pliméyank? Bon, Pliméyank, on a organisé la première vente-signature, nous, samedi 16 janvier dans le jardin Kiskeya, de midi jusqu'à 4 heures. Si on a une chaîne d'activité, il y a un spectacle culturel, il y a une causerie, il y a une exposition, il y a une photoshoot. Si on texte, nous mettons accessible surtout pour les jeunes. Et ça fait après texte, nous rendons pas trop cher. C'est à seulement 350 gouttes. Tout le monde a procuré de Pliméyank. Alors, il faut profiter de pour activité ça. Nous avons causé sur la question pour Existence et Bastien avec Roberto Louis Charles et Chédé Guillou. Nous avons un spectacle avec Compagnie Zo Flambeau, Compagnie Envanou. Nous avons un artiste métier qui est habitué dans Kailala. Nous avons un Ribert Josil. Nous avons un photoshoot avec Josias. Et nous avons une exposition avec œuvre David Thébault. Merci beaucoup, Stanley Bastien, parce que tu as choisi ou tu as accepté l'invitation pour nous discuter autour de Pliméyank à la page. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Je pense que nous avons tourné là pour nous parler plus. Merci. Pliméyank, c'est qu'aucun chaîne ouvrage ça que Stanley Bastien propose aux amis téléspectateurs attachés avec l'émission Écho des arts, rubrique à la page. Jacques-Alexis criait « Soleil la chaud pour nous toutes. » Ce n'est pas faute soleil. Si rayon 4 pour 15. Allez qu'il est, si nous ne pas chanter pour le drapeau, pour la patrie encore. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ton plaisir pour nous te porter pour vous. Rubrique à la page, dans l'émission Écho des arts, on a bon rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre écrivain côté nous parler littératie, nous parler livre. Restez branchés, Télévision Pacifique.